Bonjour. Bienvenue au château de Ferrières. Merci beaucoup. Je suis ravie de vous accueillir au baron, donc si vous voulez bien me suivre. On appelle cela un cours d'art de l'accueil. Vous avez de la chance, vous avez réservé une magnifique table pour ce midi. Marty, 18 ans, joue le rôle de maître d'hôtel. Ses camarades, les clients. Vous connaissez un petit peu le château? C'est votre première fois? Du tout, c'est la première fois que nous venons. À la caméra, vous savez qu'il a Jean-Luc Fruzetta, leur professeur de bonne manière. Donc, voilà, bienvenue dans le salon principal du baron. C'est un très bon lieu. Je vous remercie. Il a été restauré récemment. Marty doit appliquer toutes les règles apprises en classe de protocole quelques jours plus tôt. C'est un bac à rhum. Merci. Je vous apporte la carte tout de suite, si vous voulez boire quelque chose en attendant, madame. Je vous fais confiance. Très bien, madame. Un petit verre d'eau. Très bien, je vous apporte ça tout de suite. Merci. Eh ben, c'est pas mal du tout. Bravo. Allez, nous allons voir comment décrypter cela avec l'œil du professionnel. Malgré les encouragements, Marty va en prendre pour son grade. Alors, positif, le sourire. Car rien n'échappe à l'impitoyable professeur Fruzetta, un ancien du Georges V, très à cheval sur l'étiquette. Jamais, jamais, le client ne doit jamais vous suivre. Est-ce que c'est à lui de vous accompagner? Réfléchissez à ce que je viens de dire. Vous amenez à votre table? Vous amenez, alors là, c'est carrément vous ramasser, je vous transporte. Je vous invite à Permettez-moi de vous accompagner. Mais voilà, tout simplement, c'est à vous de faire la démarche. Permettez-moi de vous accompagner, permettez-moi de vous guider, permettez-moi de vous conduire. Vous voyez la sémantique, déjà la musicalité de la phrase, veuillez bien me suivre. Permettez-moi de vous accompagner à votre table, mesdames. Vous voyez toute la différence qu'il y a? On est sur du détail. Mais c'est le détail qui conduit, encore une fois, à l'excellence. Donc surtout pas de. Tout est disséqué, les paroles, les gestes et même la démarche. Alors, vous marchez un petit peu courbé et ça fait un petit peu, effectivement, le tenancier du château, mais c'est peut-être pas le château dont on rêve, voyez-vous. Alors, il y a un côté qui est très sympa. Mais si vous voulez mettre votre client en confiance, hop, au lieu d'être un petit peu comme ça, mesdames, soyez bienvenues. Je marche droit, je suis bien campé, j'ouvre les bras, je me tourne vers elle, permettez-moi de vous accompagner, je vous en prie, mesdames, et je vais avancer, et c'est moi qui rythme le pas. Dans cette école, on se targue d'enseigner le savoir-faire à la française. Un cursus de 3 ans minimum pour former des étudiants au service palace. L'école est installée dans ce château somptueux qu'elle loue en banlieue parisienne. Ancienne demeure des Rothschild, aujourd'hui propriété de la commune de Ferrières-en-Brie. On y apprend le métier dans des cuisines flambant neuves et dans des restaurants-écoles gastronomiques. Cette école privée créée il y a 3 ans prétend concurrencer la célèbre école hôtelière de Lausanne ou encore Vatel en France. Dans un secteur de l'hôtellerie de luxe en plein boom, l'établissement promet à ses étudiants un CDI dès leur sortie. Une formation facturée au prix fort, 18 000 euros l'année. Élève en deuxième année, Jeanne, 19 ans, espère décrocher un premier boulot de concierge. Ce sont ses parents, entrepreneurs dans le digital et l'immobilier, qui paient sa scolarité. La laque, beaucoup de laque. Faut que ça tienne, surtout quand on a des petits cheveux comme ça, des petites mèches rebelles qui s'en vont. Pas les dîner sur la laque. Tous les jours, les élèves doivent être tirés à 4 épingles. Ceux qui ne respectent pas le règlement paient l'addition sur leur carnet de notes. Si on a les ongles pas soignés, 1 point en moins. Les chaussures pas cirées, 1 point en moins. Le maquillage trop voyant, 1 point en moins. À force, ça peut avoir des conséquences graves. On peut passer en conseil de discipline si vraiment on a trop de points de retard. Côté vestimentaire, uniforme obligatoire. Pour ces quelques tenues, Jeanne a déboursé environ 700 euros alors, en plus du coût de sa scolarité. Que du noir. Pourquoi du noir. Pour rester dans les tons de l'uniforme, pour que ce soit sobre, il faut
que le client soit mis en valeur et il ne faut pas qu'il se sente peut-être inférieur à nous. Donc voilà, il faut toujours rester sobre et discret. Il ne faut pas faire de jaloux. Seule note colorée autorisée, ce foulard rouge, emblème de l'école. Toujours la pointe sur le cœur. La formation a lieu au château ou dans des annexes à proximité. Comme les autres élèves, Jeanne suit des cours de gestion, de marketing ou de ressources humaines. Mais elle met aussi la main à la pâte. Try and keep following from the outside of your shirt. Aujourd'hui, cours de repassage en anglais, s'il vous plaît. Et du coup, vous mettez votre deuxième main dedans. Dans la classe d'à côté, atelier pliage de couette dans un décor de chambre d'hôtel. Et la crêpe. Madame Vauquel, professeure de housekeeping, autrement dit de ménage, initie les premières années à la technique de la crêpe. Le haut. Ou comment changer une housse de couette en un temps record sans trop faire d'efforts. Hop, et on déroule dans l'autre sens. Ils font de la magie. La plupart ici veulent diriger, manager, ouvrir leur propre établissement. Oui. À quoi ça sert de savoir faire un lit ? À quoi ça sert ? C'est savoir guider leur personnel, savoir contrôler le travail de leur personnel. S'ils ne savent pas le faire eux-mêmes, ils ne seront jamais en mesure de dire « Vous avez besoin de tant de temps, vous pouvez le faire dans tant de temps », puisqu'ils n'est pas un directeur d'hôtel. Dans deux semaines, les élèves passeront des examens, notamment une épreuve en cuisine. Dernière révision avec le roi des bonnes manières, Monsieur Fruzetta. Au programme aujourd'hui, épluchage de pommes à la volée. Je vais sous la granit qui est très fragile. Une technique héritée de la Renaissance qui consiste à transformer la simple découpe d'un fruit en un moment de divertissement. Et là, je vais simplement peler le fruit et je vais expliquer à Madame la Baronne, lui raconter l'histoire des pommes, les zones de production. La méthode est désuète, mais qu'importe. Vous pouvez m'aider, monsieur ? Non. Ben, à part vous greffer une paire de mains toute neuve, là, je ne vais pas pouvoir faire grand-chose à ce niveau-là, mademoiselle Did. Bien faire quelque chose qui n'a pas forcément de sens au départ, ce n'est pas évident, on le vit comme une contrainte. Sauf que ça fait partie de l'apprentissage aussi de l'école, et notamment sur nos jeunes générations, s'habituer à la contrainte, la rigueur, l'ordre. Ça ne s'obtient pas l'excellence, la perfection par un clic sur Internet. Tous bacheliers, les élèves sont sélectionnés sur dossier. Ils viennent de milieux très différents. Lola, 18 ans, a suivi la voie familiale. Son père est maître d'hôtel. Vous en avez fait deux carrément, vous. J'étais pas trop contente du premier résultat, donc autant tester et voir sur le vif si il y a eu une amélioration. Il y a aussi Louis, 19 ans, fils de médecin. Vous voyez bien la peau en transparence sur la lame et vous respectez et Marty, bien la forme. 18 ans. Mais on ne voit pas les plusieurs va-et-vient du couteau sur la pomme. Vous pouvez les gommer après. D'accord. Vous allez les gommer après, c'est pas dramatique. Marty est tombé dans le chaudron de l'hôtellerie en voyageant avec ses parents journalistes, mais aussi en regardant la télévision. Notamment Downton Abbey. Une série britannique sur une famille de lords dans laquelle les domestiques tiennent le premier rôle. Voilà, on voit bien que même un valet de pied ou un valet de chambre, toujours très très classe, même dans la façon de tenir un plateau, c'est élégant. Et c'est une chose qu'on perd un petit peu en ce moment, il me semble. Mais justement, pas dans l'hôtellerie de luxe où on garde les mêmes codes et ces mêmes traditions. Se balader dans un château toute la journée en queue de pie, oui, ça, évidemment, tout le monde aimerait ça, enfin, je pense. Une fois diplômé, Marty souhaite devenir consultant en étiquette et protocole. La cuillère à bouillon, il explique comment l'utiliser. Le détail, c'est ce qui fait la différence. On a même une expression, le diable se cache dans les détails. Donc c'est exactement ça, c'est ce qui fait que quelque chose est extraordinaire ou non, c'est le détail. Ses parents paient son logement, mais pour régler les 54 000 euros que coûtent les 3 ans de formation, Marty a dû s'endetter, comme la moitié de ses camarades.
En Normandie, dans le petit village de Saint-Just. Tu peux attendre. Lola, la camarade de classe de Marty, vient chaque week-end se ressourcer auprès de sa famille. Sa mère, Sandrine, a travaillé 20 ans dans l'hôtellerie. Vincent, son père, est dans le milieu depuis l'âge de 16 ans. Lorsque leur fille leur a annoncé vouloir suivre leur voie, ils l'ont tout de suite mise en garde. C'est du travail le week-end, c'est du travail à... En fait, leur vie, elle est basée... C'est le travail décalé. Hein, c'est ça. C'est-à-dire qu'elle bosse pendant que les autres s'amusent et on vit toujours à l'envers des autres. Hein, donc... La clientèle n'est pas forcément plaisante. Il y a des gens que tu rencontreras qui seront très agréables, qui valoriseront ton travail. Il y en aura d'autres qui prendront même pas en compte ce que tu fais parce que ce sera naturel pour eux. Sandrine et Vincent sont pourtant aujourd'hui fiers du choix de leur fille. Et ce, malgré les a priori qui pèsent sur leur profession. Les gens, ils prennent ça pour une voie de garage, l'hôtellerie, parce que bah, t'as pas été avant, très bon, ça, hein. Tu vas faire ça. Donc voilà. C'est toujours plus valorisant de dire que bah, mon fils fait une école de droit ou ceci, cela, que de dire bah, il fait de l'hôtellerie. Ah oui, il porte des assiettes ou il fait à manger. Il fait un métier de service. Les gens ont l'air de croire. Enfin, dans ce pays, c'est un peu comme ça. On a l'air de croire parce que vous faites ce métier-là, que c'est un sous-métier, c'est pas un sous-métier. Hein, donc, la satisfaction du client quand il repart, quand il est content, quand il est satisfait, ça, c'est. Il n'y a pas mieux, il n'y a pas meilleure récompense, je veux dire. Voilà. À deux, les parents de Lola gagnent 3300 euros net par mois. Impossible d'assumer le coût de la scolarité de leur enfant. Malgré les 6000 euros de bourse accordés par le fonds de dotation de l'école, Lola a dû souscrire un prêt étudiant, 58 000 euros, pour couvrir ses frais de scolarité et d'hébergement. Avec le remboursement anticipé. Ça vous angoisse pas? Oui, c'est sûr. On va dire que c'est la moitié d'une maison. C'est une belle voiture. Non, 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 franchement, non, ça m'angoisse pas. Il y a plein de gens qui le font. Maintenant, on fait avec. Hein. Mais effectivement, c'est pas évident de se dire qu'elle emprunte et qu'elle s'endette pour 9 ans, quelque part. C'est à son âge, voilà. Une fois diplômée, Lola touchera au minimum un salaire de 1500 euros net et devra rembourser 550 euros par mois. Effectivement, c'est un coût, mais la formation est telle qu'à la fin, ils ne sont pas dans la nature. Quoi. Qu'est-ce que vous attendez d'elle? Excellence. Excellence à la française, s'il vous plaît. Selon l'école, 100% des diplômés trouvent un emploi dès leur sortie. Mais l'établissement créé il y a 3 ans n'a pour l'instant formé qu'une seule promotion de 36 élèves. À Ferrières, il y a des cours. Il y a surtout des stages obligatoires dans les restaurants de l'école. Avec ses deux camarades de classe, Marty débute ce soir sa 3e journée de stage dans le restaurant gastronomique du château. Bon, il n'y a personne, je pense qu'on peut commencer à policher. Une heure avant l'ouverture, Marty doit faire briller la salle, astiquer et dresser les tables sans se tromper de couvert. En fait, t'as une viande. Entremets, grand couteau, poisson. Sauf que t'as deux entrées. Donc, du coup, c'est une cuillère. J'ai appris ça cet après-midi. Du coup, il faut juste que ça rentre encore un petit peu. Ce soir, il assistera Billy, le chef sommelier du restaurant. Sa mission, présenter les vins aux clients et les servir. Et pour les 3 verres de rouge, est-ce que vous êtes opérationnel? Je relis vite fait. Une quinzaine d'appellations à connaître sur le bout des doigts. Je connais déjà les grandes lignes, donc du coup, maintenant, c'est surtout du détail, du peaufinement. Mais quelques minutes avant l'arrivée des premiers clients, Martin n'est plus aussi confiant. Il se prépare une anti-sèche. Le petit dernier, donc 98% de... Je suis en train de le noter comme ça pour l'autographe et tout. Je vais vous dire les pourcentages exacts. D'accord. Je m'en sens plus exactement, mais je vais vous dire ça. D'accord. Mais... Faut pas vous emmêler les pinceaux. Non. Ouais, d'accord. J'ai... Donc on va se baser uniquement sur ce que vous avez appris cette semaine. D'accord. Mois. Ok. Très bien, monsieur. Merci, monsieur. 19h30, le restaurant ouvre ses portes. Marty est au garde à vous. Bonsoir. Ses premiers pas sont assurés. Merci. Ça va aller ? Mais ça ne va pas durer. Le couple a commandé une bouteille de vin millésimé. Bourgogne Haute-Côte de Nuit, château Villard-Fontaine, le haut du château. C'est un millésime 2011 par M. Bernard Hubelot, 100% Pinot Noir. Erreur sur l'année, erreur sur la cuvée.
Marty a même oublié son tire-bouchon. Merci, monsieur. Malgré des petites maladresses en début de service, Marty prend peu à peu ses aises. Merci. Je reviens vers vous pour les apéritifs. Encouragé par une clientèle bienveillante, consciente qu'il est en formation. Vous mettez la pression, hein ? Un petit peu, mais on gère. Ouais, détendez-vous, ça va se passer. Je vous remercie. Ce soir-là, Marty va avoir le droit à un contrôle surprise. Monsieur Fruzetta, son professeur de bonne manière, a décidé de s'inviter à la fête avec son épouse. Par contre, là, je suis pas bien du tout. Dites-moi, qu'est-ce qui se passe ? C'est monsieur et madame Fruzetta, c'est notre prof. Eh bien, ce sera l'excellente occasion de, vous, de lui montrer très bien. Que vous brillez, n'est-ce pas ? Bonsoir. Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Voici la carte des vins. Merci. Et si vous avez la moindre question, vous pouvez demander au sommelier. Merci beaucoup. Merci. Merci. T'as vu son petit cœur avec une mine ? On lui a déjà signalé, mais c'est logique, il est un peu tendu. Même sur son temps libre, M. Fruzetta ne peut pas s'empêcher de faire la leçon. Vous êtes droitier ou gaucher ? Droitier, monsieur. Mais pourquoi vous la prenez la main ? Pour vous montrer l'étiquette, monsieur. Oui, mais là, comme vous inversez le sens du service, alors c'est remarquable que vous y arriviez. Comme vous inversez le sens du service, on peut le tolérer. Dans 3 semaines, si Marty confirme ses acquis, il pourra réaliser des extras dans ce restaurant et ainsi gagner un peu d'argent. Ce soir-là, pas de pourboire, mais les compliments du jury. Vous avez un très bel avenir qui se prépare. Je vous remercie. Très sincèrement, c'est pas de la flatterie. La technique, nous la travaillerons, je vous rassure, on a le temps. Mais la volonté, la démarche globale, elle est très très saine. Donc bravo et merci. Bonne soirée, monsieur. Service. 23h, le moment de décompresser. Chez Marty, pas de bouteille millésimée et de verre à pied. On sirote de la bière à la bouteille et les uniformes sont au placard. Dans un appartement voisin, l'ambiance est plutôt à la camomille. Jeanne se prépare à un entretien très important. En deuxième année, les élèves doivent réaliser un stage de 4 mois en dehors de l'école, dans un établissement 5 étoiles. Jeanne espère décrocher un contrat au bout du monde, sur l'île paradisiaque de Bora Bora. Je rêve devant le site tous les jours. Ce site, c'est la page du Four Seasons. Une chaîne hôtelière prestigieuse aux 117 palaces qui fait rêver les étudiants. Quand on est médecin, par exemple, on a envie d'être chirurgien, on vise le plus haut possible. Quand on veut travailler dans l'hôtellerie, si on peut viser le plus haut possible, autant le faire. 2 jours plus tard, rendez-vous au château. L'école a fait venir les recruteurs des plus grands palaces pour une bourse au stage ou au CDI. Le Four Seasons est là, mais aussi le Plaza Athénée, le Ritz ou encore le Peninsula. Oui. Master 2. Parce que j'ai un intérêt très fort pour l'art d'accueillir et tout ce qui est altruisme et service à la personne depuis longtemps. Les élèves se vendent et étonnamment, les recruteurs aussi. Quand c'est votre anniversaire, une journée qui est organisée pour vous, vous souhaitez, vous avez des RH qui vous souhaitent, vous avez une petite enveloppe à votre bureau, donc voilà. On
d'aller. We care. C'est vraiment ce message que va envoyer le groupe Péninsula. Les 5 étoiles redoublent d'inventivité pour attirer les étudiants. Ils ont de plus en plus de mal à trouver du personnel. Le crayon qui a ouvert il y a plus de temps, le Lutetia, la concurrence s'agrandit d'année en année sur le marché du luxe parisien dans l'hôtellerie. Donc forcément, la main-d'œuvre se fait plus rare. Donc on se bat tous pour avoir les meilleurs éléments forcément dans nos effectifs. En coulisses, Jeanne se prépare. Ouais, bah moi, j'étais entraînée. Non, parce que me présenter en 30 secondes, enfin, je sais pas, j'ai peur de dire des trucs bateaux. Bah oui, bah nous, moi, nous on l'a fait. Ah oui, t'inquiète, c'est cool, tu y vas. Mais tu... nous aussi, on l'a fait. Mais moi, j'ai pas. Des troisième années jouent les marraines. Ah oui. De toute façon, ils vont te poser des questions par rapport à ça, par rapport à toi, à ta carrière. La question que je redoute le plus, que j'aime pas, vous voyez où dans 5 ans, dans 10 ans? Qu'est-ce que ça fait? Des étudiants qui s'entraident, mais néanmoins concurrents. C'est stressant. C'est vrai. Ah ouais, c'est hyper stressant. Devant le stand du Four Seasons, ils sont nombreux à attendre leur tour. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Jeanne, ravie. Allez, merci. Bienvenue. Comment allez-vous? La chaîne au 117 hôtels a déjà vu une vingtaine d'étudiants depuis ce matin. Merci à vous pour l'intérêt que vous nous manifestez. Qu'est-ce que vous recherchez aujourd'hui, Jeanne? Qu'est-ce qui fait qu'on a le plaisir de vous recevoir aujourd'hui? Votre groupe, c'est un groupe que j'affectionne, mais vraiment au plus profond de mon cœur depuis toujours. Mais même quand je me suis lancée dans l'hôtellerie, je me suis dit, si plus tard on me demande où je veux être dans 10 ans, mais je me vois vraiment au sein du groupe Four Seasons. Aujourd'hui, votre dream location et votre dream internship? Four Seasons à Bora Bora. Pas de chance pour Jeanne. Cette année, plus de place sous le soleil de Polynésie. Mais son profil retient l'attention de la recruteuse. Et la cohésion, vous êtes flexible aussi en France. Je pense à notre propriété du Grand Hôtel Saint-Jean-Cap-Ferrat ou encore du Four Seasons Megève également. Jeanne est un peu déçue, mais sa détermination finit par payer. Merci infiniment. Avec un une semaine plus tard, le groupe lui proposera un stage dans un prestigieux palace parisien, le Georges V.